Salut tout le monde, on espère que vous allez bien, que vos entraînements se passent comme vous voulez. Pour nous c'est parfait, aujourd'hui on va bosser le cork. Ouais, Bruce, toutes les conditions sont réunies pour qu'il y arrive, il sait faire la vrille, il sait faire le coup de pied à la lune, donc on va vous montrer tout ça, et après directement il va se jeter en fosse pour bosser le cork. Okay. Objectif, arriver à le faire sur du dur en moins de 2 mois, ok? Ok. Ok, ça marche, et ben on y va. Ouais, en prenant la bouteille, nickel. Attention, voilà le coup de pied à la lune façon Bruce. Ça. Hop. Ah, parfait. Peux-tu essayer de ne pas arriver à quatre pattes? Ok, je vais essayer. Lance bien ta jambe, hein. Tu l'as pas assez lancée. Vas-y. Ah, chaud, hein. Tu risques d'arriver à quatre pattes aussi dans ton cork, hein. Allez. Ouais, c'est tes jambes qui te freinent. C'est tes jambes qui te freinent. Faut vraiment que tu arrives à lancer un peu mieux ta jambe jusqu'à l'arrière, là, hein, d'accord? Tu arrêtes ta première jambe pour que la deuxième la rejoigne. Il faut que tu lances ta première jambe jusqu'au bout. Voilà, celle-là. Jusqu'à ce qu'elle arrive au sol sans attendre que la deuxième la rejoigne. Okay. Ah, pas mal. Très bien. J'aime bien celle-là. Mais il faut ramener l'autre après. Ouais, mais c'est pas grave. Elle va revenir toute seule, l'autre. Elle va suivre toute seule. T'as pas à t'inquiéter. Hey, pas mal. J'aime bien. J'aime bien. C'est pas grave, tu tombes. C'est pas mal. C'est bien comme ça. C'est nickel. On va montrer un petit coup la vrille, ok? Bruce a réussi son coup de pied à la lune, même s'il n'arrive pas parfaitement debout, ça suffit pour apprendre le cork en fosse. Oum, pas mal, belle chute. Donc je disais, ça suffit pour apprendre le cork en fosse. Donc là, on va voir le petit vrille sur un mouvement type papillon vrille, pour voir s'il arrive à bien vriller. Et après, on s'attaque au cork. C'est parti! Bien, donc Bruce a fait le coup de pied à la lune, même s'il n'arrive pas parfaitement debout. C'est bon, on passe à la suite. La vrille, donc le mouvement pour bosser la vrille à Bruce est le même que le papillon vrille. Donc, je le place ici, voilà, il baisse le corps de ce côté, il le relève et là il va tourner. Okay. Ça, voilà, tu penches, voilà, et là il brille. Okay. Allez, fais-le tout seul. Donc j'ai déjà pris ce mouvement, il l'a déjà fait une fois. Il se rappelle plus mais il l'a déjà fait une fois, donc je pense que ça va très vite revenir. Voilà, très bien, voilà. Donc là il bosse la vrille, donc là ce mouvement étant maîtrisé, il peut directement passer au cork. Ouais, parfait, c'est bon. Parfait, bravo Bruce. Et ben là maintenant, on pense au cork. Ok. Allez, qu'est-ce que tu veux montrer? Ça. Je suis en train de manger en même temps, donc si vous entendez ça à la caméra, quelqu'un qui mange, et ben c'est moi. Oh, je suis en train de me manger un petit cookie. Récupère un petit peu d'énergie avant de relancer les entraînements. Bien. Je vais poser la caméra là. Vous allez avoir vu sur la sortie de la piste ici. C'est là que Bruce va faire son cork. Eh ben, c'est parti! Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Enlève-le. Il n'y a pas de raison, tu as pris une chance d'aller là-bas normalement. Oh, pas mal. Bien, 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 je vais me poser là, c'est nickel, j'ai plus qu'à poser le pied, c'est bon.